Binoculeur, c'est Blue, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Bon, je ne suis pas dans le même décor que d'habitude et je sais que la qualité vidéo n'est pas ouf parce que bah là il est un petit peu tard et du coup il n'y a plus beaucoup de lumière car tout simplement je suis en vacances. Donc j'en suis un petit peu désolé mais j'étais vraiment obligé de faire cette vidéo car nous avons eu deux informations sur la saison 4 vraiment incroyables. La chaîne Mundo Globe nous a révélé le nom d'un épisode de la saison 4 de Miraculous et va bientôt nous en révéler un deuxième. Je vous explique ça, c'est parti. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas, cela m'aide vraiment. N'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram, mon petit serveur Discord, etc. Tout est dans la description. Ah oui, je voulais juste vous dire un truc, il y en a plein qui sont sur le Discord, mais en fait ça ne sert à rien parce qu'ils n'ont pas accepté le règlement. Donc vérifiez bien que vous l'avez accepté parce que sinon en fait vous n'avez absolument accès à rien sur le serveur. Donc pour cela, vous allez juste sur mon serveur dans le salon règlement, vous le lisez et juste en bas il y a un petit VVR, vous cliquez dessus et là ça sera bon. Donc voilà, maintenant nous allons pouvoir passer aux informations. Donc du coup je vais vous lire la traduction en français du post Instagram de la chaîne Mundo Globe. Les sources sont bien évidemment en description. Si vous voyez que c'est bizarre, c'est parce qu'à la base c'était pas en français. Du coup je l'ai traduit, mais vous savez que après Google Traduction ça traduit des fois un petit peu bizarrement, mais on aura au moins l'essentiel. Hâte de voir la saison 4 de Miraculous. Tant qu'elle ne sort pas, j'ai décidé, donc en gros là je pense qu'il voulait dire plutôt nous avons décidé, de vous apporter exclusivement le nom d'un des épisodes. On sait déjà que le nom des épisodes est toujours un méchant akumatisé. Alors pourquoi il s'appelle Gabriel Agrest? Car oui, l'épisode qu'ils ont dévoilé s'appelle Gabriel Agrest. Est-ce qu'il a changé la formule? Donc là je pense que ça veut dire, est-ce que dans la saison 4 bah tout simplement tous les noms des épisodes ne seront plus les noms forcément des akumatisés qu'il y a dedans? Attention, petite alerte spoiler, maintenant nous savons bien que Gabriel durant la saison 4 hein, ça a été confirmé, allez voir mes anciennes vidéos news sur la saison 4 si vous n'êtes pas au courant, il a été confirmé qu'il va fusionner le Miraculous du Papillon et celui du Pan et qu'il s'appellera Papillombre. Donc du coup ça veut dire qu'il n'y aura plus forcément que des akumatisés dans les épisodes mais aussi des sentimonstres. Donc pourquoi continuer à appeler bah, tout simplement les épisodes par le nom des akumatisés s'il y a aussi des sentimonstres? Du coup voilà, peut-être qu'ils se sont dit on va tout simplement changer les noms des épisodes. Va-t-on connaître toute l'histoire du père d'Adrien ou va-t-il se faire akumatiser? Bon, va-t-il se faire akumatiser? Honnêtement je pense pas, car bon ça serait un petit peu bizarre hein. Ça serait surtout, bah il a aucun intérêt à faire ça, il l'a déjà fait d'ailleurs dans Le Collectionneur, mais bon je pense pas qu'il va le refaire, ça serait un petit peu chelou. Après, est-ce qu'on va connaître, ça sera peut-être un épisode vous savez, bah sur le passé de Gabriel et Émilie etc, ou sur l'enfance d'Adrien, enfin vraiment je pense que c'est possible également que ça soit ça et que ça serait vraiment hyper intéressant car bah si on y réfléchit bien, on ne connaît vraiment pas beaucoup de choses sur le passé de Gabriel et d'Adrien, et bien évidemment d'Émilie. Donc voilà, je vous laisse tout simplement en commentaire bah, me dire, vous pensez que cet épisode va parler de quoi, et j'attends vos théories, je vous rappelle que je lis tous vos commentaires. Ils vont révéler un nouveau nom d'épisode samedi à 16h30 durant un live. Dès qu'on aura l'info sur ce nouvel épisode, je vous referai bien évidemment une vidéo. Bon voilà, c'est fini pour cette courte petite vidéo, encore une fois excusez-moi de la qualité mais je suis pas avec mon matériel habituel, je suis en vacances. Sur ce, c'était Blue, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus.